Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Avec une configuration qui reste sensiblement identique à celle de la veille, puisqu'au terme de cette séance, le CAC 40, donc après cette grande hésitation, a toutefois réintégré l'intérieur des bandes de Bollinger, hein, puisqu'on clôture même légèrement au-dessus de la bande de Bollinger inférieure. On est resté ici au-dessus du support des 5248 points. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 5266,51 et regagne 0,61% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc hier, je vous disais que il fallait être vigilant quant à un éventuel franchissement ici de cette zone des 5248 points qui serait plus pérenne. Hein. C'était un signal de poursuite donc du mouvement en direction ici de la zone 5163-5150. Eh bien, il semblerait que l'on résiste. Hein. C'est un petit peu le scénario privilégié ici, non pas d'un rebond technique, on y a cru pourtant hein, aujourd'hui. On avait même un beau pattern en milieu de journée puisqu'on avait ici une bougie fortement baissière, une bougie hésitante et une bougie fortement haussière. Mais tout cela s'est dégonflé donc à l'approche de la fin de la séance, avec même des cours qui sont revenus ici marquer des plus bas significatifs en deuxième partie. Et au final, on reste ici avec cette bougie hésitante, mais qui valide le fait que l'on ne va pas plus loin malgré l'inscription d'un nouveau plus bas significatif et que l'on reste ici au-dessus des 5248 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toutefois dans une poursuite de dynamique qui reste baissière, avec ici un histogramme du MACD qui reste négatif et une tentative de sortie ici du RSI de sa zone de survente. Donc ça c'est intéressant parce que on peut le voir, hein, le RSI ici, il est donné à 30,26. Hein, si on rajoute ici les informations, sachant que les limites de sa zone de survente est à 30, on a donc des cours qui sont, je dirais, un RSI qui est supérieur. Alors, on n'est pas à 0,26, mais ce qu'il faut surtout retenir, hein, si on agrandit le RSI, c'est surtout ça, au niveau de sa dynamique, hein, le fait que l'on se retourne ici sur ce RSI et que on a une tentative de sortie, et c'est surtout la trajectoire, hein, qui va nous importer, et donc sur laquelle on va avoir une certaine vigilance, notamment sur la séance de demain, puisqu'une sortie ici rapide de cette zone de survente nous donnerait le signal d'un retournement de tendance. Donc il va falloir être vigilant par rapport à cela, et donc surveiller ce RSI et un éventuel retournement du MACD, puisque si nous avions ici un signal simultané, eh bien ça serait le signal d'un possible rebond de tendance, d'un retournement de tendance relativement fort. Alors maintenant, si on se concentre sur les bougies, ça fait maintenant quasiment 3 jours qu'on est dans la même zone ici, avec donc cette zone des 5306 points qui fait toujours obstacle à une poursuite du mouvement haussier. Hier, on ne l'avait pas atteint, mais on est revenu au contact de celle-ci aujourd'hui. Et donc cette zone des 5248 points, alors j'étais tenté de repositionner hein, cette zone sur des niveaux ici plus proches des 5235. Mais lorsque l'on regarde ici la pertinence de cette zone horizontale sur les cotations antérieures, on voit ici qu'on a eu de nombreux gaps, hein. On a eu de nombreuses bougies qui sont venues ici tester cette zone. Et eh bien, je l'ai préféré la laisser tout simplement parce que ça s'explique par notamment le nombre de dividendes hein, qui ont été versés sur la partie mai-juin et qui peuvent justifier justement le fait que cette zone ait perdu un petit peu de pertinence par rapport à cet endroit-là. Mais bon, on est dans une zone et vraiment on voit que c'est sur cette zone que les cours ici sont en train d'hésiter. Et puis lorsque l'on repasse ici en unité de temps H4 et que l'on analyse la trajectoire, on a donc ici cette forte baisse, on a ici une hausse, on a ici une baisse, on a ici une hausse, on a ici une baisse, d'accord, et ensuite on remonte là. Et donc le fait ici d'avoir ce mouvement, alors ça sera à préciser avec le temps, mais on peut être ici entre le triple bottom et le diamant, hein. Donc on va attendre un petit peu avant de voir exactement vers quoi on s'achemine, mais on pourrait avoir une configuration technique ici en intraday qui pourrait nous donner un pré-signal d'un retournement majeur. Je rappelle que si c'est un diamant, eh bien c'est un signal de retournement majeur. Donc on va attendre un petit peu de voir comment évolue cette configuration, mais si on reste ici entre ces zones 5248 et 5306 points et que l'on oscille, eh bien, il peut y avoir donc des signaux de retournement qui pourraient apparaître
prochainement. Donc ça, c'est pour la vue intraday, d'un point de vue daily, naturellement. C'est la cassure assumée ici de cette zone des 5306 points et le début de comblement du gap qui a été ouvert ici sur cette séance donc dès lundi, et bien qu'il faudra surveiller. Bien entendu, une rupture ici baissière des 5248 validée et confirmée par un mouvement fort assorti ici d'une cassure de cette zone des 5230 points validerait totalement la poursuite du mouvement vers ici cette zone vers 5163 et un retracement total ici à 5154 points lié à la rupture ici sur gap de retracement à 61,8% de Fibonacci. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. D'un point de vue statistique, encore une fois, on est sur une configuration qui ne nous donne pas assez d'occurrence sur les 20 dernières années pour une évolution statistique. Sachez toutefois qu'avec le peu d'occurrence, on est plutôt sur une probabilité baissière, hein, c'est-à-dire on a épuisé là, les probabilités de rebond. On est plus sur une poursuite du mouvement baissier, en tout cas dans les prochains jours. Je rappelle que ce n'est qu'une statistique et qu'elle ne repose que sur très peu d'occurrences, donc à ne prendre en compte que vraiment à titre d'information. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.